Série d'Ocas tacle Didier Zoukoura et son ex belle famille. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Mon dernier étude. J'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère pense d'être... Pendant ce temps, la belle-sœur, la belle-mère à la maison. Okay. Pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. Mm-hmm. À un moment donné, elle a demandé une voiture. Mm-hmm. J'ai dit, c'est entre vous. Choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, vous, tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion, bien, la voiture en forme. Ils vont payer. Il m'a demandé, dis, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. Mm-hmm. Alors donc, ce qui se passe, c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve l'occasion à Abidjan. Normal. Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. Normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils ont acheté leur voiture. Très bien. Tranquille, moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien... Tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel où tout s'est gâté. C'est à un moment donné, je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, tu m'as posé la question de savoir si j'étais sûre que ce soit le monsieur qui aime mal parler de moi à la famille ou pas. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, faut pas forcer. Mais justement, si j'ai eu ce problème-là où je me suis mêlée des choses qui ne me regardaient pas, et puis j'ai... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que Yachou, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts, c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il achète la voiture pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être un ou deux mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, je n'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué. Avec une de ses CP, chez moi, à Abidjan. Toi, tu étais toujours... Moi, j'étais en Turquie, enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là. Regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout, pendant que moi, je meurs de faim. Regardez, connard comme ça, il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais revenir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est mère Teresa, elle va accoucher. C'est mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? La vieille... Oui, vous avez vu, c'est lors d'une nouvelle émission animée, bien sûr, par Série d'Ocas, où elle a invité Yasmine Reda sur l'émission. Et elle a fait déballage de tout ce qui s'est passé. J'espère que vous avez aimé, vous avez liké. En tout cas, ça fait couler encore beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je vais chercher d'autres informations encore concernant ce sujet. Et je reviens tout à l'heure. Ciao.